empereur romain pissait toujours contre les murs. C'était sa nature, on n'y pouvait rien. Qu'il soit en armure, en robe de lin, qu'il fasse très noir, beau, sec, incertain, aussi bien le soir qu'au petit matin, à la vue d'un édifice, quand il traversait le désert pour aller porter la guerre, ses esclaves, toute la nuit, fabriquaient des murs qu'ils posaient en douce devant lui. L'empereur Vespasien bruissait alors comme une source. Il dictait les lois, rendait la justice, parlait de Gaulois, jouait aux boules avec les rois. Avec le menu frottin, il prenait une voix off. Il avait des tas de copains, pioché dans les philosophes. On l'a vu qu'il présidait, couvert de simplicité, des ventes de charité. Très poli avec les dames, très poli avec les chiens, il avait un corps, une âme digne des martyrs chrétiens. Il payait de sa personne, croquant volontiers la pomme. Un bon empereur en somme, mais lorsqu'il voyait un mur, c'était sa nature, on n'y pouvait rien.